Pour pipiti, des mouns perdit la vie. Yon vingtaine l'autre blessé à balle, c'est bilan zak à violence, moun quartier bête, commune Kafou, qu'on est dimanche soir pour lever lundi 14 décembre 2020 hier. D'après témoignage, quelques mouns qui étaient sous place, drame ça, qui étaient de l'onanger, en pile famille, amis, dans le cadre d'un programme qui baptisait programme culturel qui t'a fait dans la zone. Reportage Jean-Georges Blaise. C'est à Glonanger, Jean-Noël attendait ça là. Moun quartier bétain, levé bien bonnet matin, lundi 12 décembre 2020. Après ça qui passé dans la lutte dimanche là, côté deux calamants enregistrés, sans compter plus, passé en vingtaine les autres qui blessés à balle. Jean-Claude Paul, Charles-Pierre fait partie les victimes qui semblent être bien passé dans le cadre d'un programme culturel qui t'a déroulé toujours dans la même zone ça, qui dans la commune Kafou. Qui circonstance drame ça, qui cause toute une famille inconsolable, ni dans le quartier bétain, ni dans Titus, certains n'a pas un victime yo a tenté expliquer. Petit moi oui tout là des petites moi oui. Nous étions dans programme là. Oui là des fois pas la caille programme n'a fait yo là y a distrait yo. Mais que venir à toutes ça mieux tirer yo. La famille pas nous yo nous gagne trois monde qui prend balle. Est-ce que mourir? Nous gagne deux monde nous gagne une à l'hôpital. Oui gagne plusieurs monde qui prend balle. Tu as 40 monde. Tu as 40 monde qui prend balle. Gagne calme mourir non en bas tout rivière. Gagne calme mourir l'hôpital. Gagne qui prend balle pied. Gagne qui prend balle tête. Qui porte quatre nèg armé à zam entrer dans programme. Pas fouillé yo, yo pas faire rien sous yo, yo rentré, yo vinn bou éclairer yo et puis yo fait mort. Et bien bonnet matin, la police à juge de paix t'est déjà sous place pour constater événement ça. Qui sac t'a des toutes des autres ça yo? Est-ce que t'es gain affrontement? En tout cas, un pas clair concernant ça qui passé à famille de faire considérer tant qu'on massacre. Programme fantôme, chéri, et puis pas quel bon l'autre bel artiste qui t'a bien joué. Appelle fantôme rentré, appelle cagon en 30 minutes, et puis police au déclenché balle. Police. Oui, police au déclenché balle. On dit c'est police, parce que yo en civil, yo pas habillé, yo dit c'est police. Parce que massacre, 22 à 30 moun prend balle, et pas si massacre, je vais plier. Est-ce que nous comptons moun qui nous comptons quand il est moun? Oh, comptez, moun tombé, pied cassé. Moun pe bal tête, bal bon avant, bal du côté. Nous même, quand pas là, nous disons, toi moun qui prend bal, nous disons moi, mais qu'est-ce que soumet, gardez, ça soumet. Vous avez fait ça là, monsieur. Occupe-toi, j'en ai là. Vous êtes victime, ça à côté. Oh, victime, non. Chaque mois, à l'hôpital. Et c'est pas seulement par un victime yo qui a glonanger. Habitant sous quartier, parité bouche fermée non plus. C'est on a qui pague non. Selon témoignage, moun nou pral tande la yo, ki sou bon pa yo tout, condamné sa k passé. Nous pas na fa moun, si moun yo se la yo levé, y a distrait yo, c'est nan pou katye yo program nan ye, nou pas en affaire avec moun, c'est seulement rete nou tande katouche kap déclenché. Na katye en deux là. En deux, katouche kap déclenché, tout katye en deux parce que si moun yo pa konnen problème a moun, son ti moun ki vraiment respecte moun. Comment on a vu? On a vu na katye. Action criminelle ça yo vient renforcer plusieurs lots encore qui étaient déjà répété dans la commune Kafou. Côté en pile monde semblait gain inquiétude pour avenir communauté ça qui plaît à mauvais larron qui a sorti l'autre coin pour venir monter tente yo. Et n'a pas rappelé avant Kabetin t'est déjà gain sans couler dans zone Charpentier Bizoton. Sans compter trois moun qui étaient tombés en babal dans une maroutière à Côte-Plage un mois passé. Et qui s'est fait pour empêcher commune ça qui était en paix, venir renforcer les zones non droites dans la capitale là. En tout cas, c'est question. Et un bon citoyen Kafou, cap connaît un mauvais moment pendant dernier jour ça. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM.
Merci Jean-Georges Blaise, même Jacques Fednel, mon chéri Pierre Richard, Duplan, Jimmy Cherizy alias Barbecue. Département Trésor américain reprend sanctions contre régime qui sous pouvoir d'après collectif victime. Massacre La Saligno, il y en a avocat victime, Maître André Michel, qui continue de dénoncer les actes criminels. L'équipe qui sous pouvoir pas suspendre fait sous population d'un quartier défavorisé. Il des communautés internationales à suspendre, supporter pouvoir PHTK. En écoutez plus de détails avec Maître André Michel, l'Itenomico Magasson Philistère. Objectif collectif là, c'est bataille pour victimes, massacre, La Saline, Belle Cité Soleil, victimes insécurité, joint justice. Et en tant qu'avocat collectif là, nous constatons le département du Trésor américain prend décision côté sanctionner, yo prend sanction contre une série de monde qui participait dans le massacre La Saline. Et nous tendons position corps groupe côté Audi, décret Jovenel Moïse prend sous question Agence nationale d'intelligence ANI et sous question renforcement sécurité publique dans le pays d'Haïti. Deux décrets ça yo anti-démocratique, yo anti-constitutionnel. Nous même qui ça nous dit, nous tendons bagay sa yo. Nous notons yo, mais ça pas suffit. Ça pas suffit parce que je dis à, eh bien, les plus hautes autorités politiques du pays sont impliquées dans le massacre La Saline, massacre Belle, massacre Cité Soleil. RNDDH, dans le rapport qui est fait sur le massacre La Saline, il te dit très clairement que yo massacré la population La Saline, nan, c'est parce que la population La Saline toujours participé dans la manifestation. Yo te vle craser capacité mobilisation opposition, hein? Craser capacité mobilisation on La Saline, craser capacité mobilisation société civile. Et pour ça, vous faites massacre là. Ce sont des massacres d'État. Qui se massacre La Saline, Cité Soleil, Belin, ce sont des massacres d'État. Et je dis, sanctions vous prend contre Pierrot Duplan, Fidèle Mon Chéri, contre Barbecue, eh bien, vous faites pour prendre même sanction ça contre Jovenel Moïse, contre le monde qui était chef de la police, tout le monde qui était accepté bagaille ça, vous faites ça, vous pas dire rien. Parce que ce sont des massacres d'État, ce sont des massacres à motivation politique. Bref, il nous dit qu'au groupe là, il ne suffit pas de dénoncer des décrets anticonstitutionnels, antidémocratiques. Le plus important, c'est que la communauté internationale doit arrêter de supporter un régime criminel. Et ça, c'est plus important. L'immoral, l'inacceptable en 2020, pour la communauté internationale, là, a supporté un régime criminel. Un régime qui fait alliance avec chef gang pour massacrer la population en quartier populaire. Tout le monde connaît Genève. C'est le gouvernement qui crée le Genève en famille alliée. C'est le gouvernement qui crée le gouvernement qui baille aux armes. C'est le gouvernement qui baille barbecue l'argent. Je dis à, le plus important, c'est que la communauté internationale, au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme, doit arrêter de supporter ce gouvernement criminel. Je dis à le clair, d'après la constitution haïtienne, le mandat de Jovenel Moïse l'a fini 7 février 2021. Je dis à, l'inacceptable pour la communauté internationale là continuer à supporter une équipe de pouvoir qui d'accord pour violer la constitution. Il faut accompagner le peuple haïtien pour réussir cette transition qui est devenue inévitable. C'est ça qui est plus important aujourd'hui. Et pendant qu'on a parlé là, population village de Dieu dans la rue, bien mon y a crasé caillou en bas. Nous-mêmes qui ça nous dit comme avocat, en tant que défenseur indépendant de droits humains, nous qui ça nous dit, nul ne peut profiter de sa propre faute. C'est le gouvernement, c'est l'État, c'est PHTK qui baille les âmes dans le quartier populaire. C'est le gouvernement, c'est Jovenel Moïse, c'est PHTK, c'est l'État qui baille les bandits aux moyens pour être capable de massacrer la population. C'est le gouvernement qui met les bandits. C'est le gouvernement qui baille l'argent. Je dis, ah, oui, il faut que la police arrête les bandits. Oui, il faut que la police retirer les bandits dans le quartier populaire. Il faut que la police mette en bas code tout assassin qui a kidnappé le monde, qui a violé petit monde, qui a assassiné le monde. Cependant, dans le quartier populaire, ce n'est pas seulement les bandits qui gagnent. Attention, on fait tout le temps Belé. On habite Belé, on habite dans la tête de Fontamara. On fait tout le temps m'habiter dans le quartier populaire. Dans le quartier populaire, il y a quelques bandits. Et quelques bandits ça qui dans le quartier populaire, c'est le gouvernement qui supporte, c'est le gouvernement qui mette, c'est le gouvernement qui baille l'argent, c'est le gouvernement qui baille les moyens.
Le statut du commissaire du gouvernement à l'aune de l'indépendance de la justice, c'est sous thème ça. Association professionnelle magistrat a organisé premier congrès hier. Côté, il y a 60 magistrats présents pour participer dans le débat. Président sortant, association juge Rwando Saint-Villiers. Quoi, système judiciaire là, besoin d'une réforme en profondeur pour le cas Vignon, institution indépendante réellement. Jean Constitution a prévu ça. Il est proposé comme exemple pour commissaire gouvernement, il est placé en bas tutelle, conseil supérieur pouvoir judiciaire, là, CSPJ. D'un côté, déclaration magistrat Rwando Saint-Villiers, qui était l'ami Michel Timothée. C'est un congrès et que l'association professionnelle des magistrats a organisé. Et son association qui gagne 6 ans d'existence, mais 6 ans de combat auprès de magistrats dans la lutte pour défendre l'indépendance et la justice et pour défendre l'intérêt matériel et moraux magistrats. Donc c'est le moment pour que l'association rentre dans le cadre d'alternance pour faire exercice démocratique pour lui organiser élection pour un nouveau comité. Mais nous avons décidé par rapport avec les conjonctures et actualité sujet et organiser congrès sous thème et le statut du commissaire du gouvernement à l'aune de l'indépendance de la justice. Parce que nous croyons qu'au niveau de l'association professionnelle des magistrats, il faut qu'il y ait donc une réforme en profondeur de la justice haïtienne. C'est ça qui permet que la justice n'a pas joué au rôle de tout bon vrai. C'est ça qui permet à ce que l'État de droit établi en Haïti. Et tenant du fait que y a un gros obstacle qui gagne un fonctionnement système judiciaire là, et qui mérite changer, qui mérite solutionner ces statuts commissaires du gouvernement, yo, parce que son série de magistrats qui sont contre l'hierarchique ministère de la justice, et généralement les organes du parquet sont politisés, et dans tout gros cas de crimes financiers, la grande corruption au niveau de l'État, l'appareil judiciaire haïtien est toujours inopérant en raison du fait que les commissaires du gouvernement n'ont pas les mains libres pour agir, pour mettre l'action publique en mouvement. Donc nous avons été choisis pour raison ça et organiser congrès, nous, premier congrès nous sous thème ça. Premièrement, il faut que le commissaire du gouvernement ait gagné un meilleur statut, à savoir pour ne pas dépendre directement encore du ministère de la Justice. Il faut qu'il soit capable d'exercer ses fonctions en toute autonomie, disons en toute indépendance même. Il faut qu'il ne soit pas capable de révoquer les gens ouvrés et non pour que la séparation tranchée et du judiciaire et des pouvoirs politiques. De telle sorte que les commissaires du gouvernement, qui sont des magistrats comme les juges, pour que vous gagniez possibilité, pour que vous avez même tout sous contrôle, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de telle sorte que vous organe qui a administré tous les magistrats, qu'il s'agisse des juges ou des commissaires du gouvernement, et que les commissaires du gouvernement sont capables de possibilité pour vous jouer le rôle poursuite sans vous pour inquiéter sans aucune entrave. Et de l'autre côté, comme deuxième réforme que tu es capable de faire dans le système, et pour bien le système, il faudrait que le juge t'a nommé comme jusqu'à l'âge de la retraite en fonction de carrière réelle pour que question renouvellement de mandat ça a fini et pour permettre à ce que le juge soit libre, il était dans le système, là, il a fait travail et il est capable seulement de mettre le dehors dans le système. Là, si toutefois il est trempé dans la corruption ou bien commettre des cas d'excès de pouvoir ou bien d'abus d'autorité. Alors c'est de réflexion qu'on a fait et de plaidoyer qu'on a fait. Il y a plusieurs structures au niveau de la magistrature et au niveau de la société civile qui continuent à faire réflexion ça. Nous produisons des documents, par exemple, et après congrès ça, et association les comptes produit un document et qui à partir de ensemble d'intervention et tout est remarques qui fait et pour que à la fin nous faisons des propositions sur et dans qui sens réforme judiciaire en tadoué orienté. Donc c'est alors première phase là, phase conférence débat au fini. Après posant, donc normalement c'est l'élection. Donc avant ça, c'est une possibilité candidat a bien pu présenter avec magistrat. Et après donc nous allons passer au vote. Décision juge Rwando Saint-Villiers. Élection, yon nouveau comité nan tête association professionnelle magistrat, Mantel Jean-Claude, c'est nouveau président association, alors qu'elle te gagné candidat, c'était grand candidat ça, magistrat Jean-Claude, remporté élection yo.